Sunday, November 29, 2020. You're watching the Midday Bilingual Newscast on CRTV News. Good afternoon, Essiane. Bonjour, Gladys Asson. You've got the headlines. Exactement, les titres de ce journal. Les ministres de l'administration territoriale et des travaux publics sont en visite de travail dans la région de l'extrême nord. Paul Attangandi et Emmanuel Nganoudjoumessi sont sur le terrain pour s'assurer de la bonne exécution des travaux de reconstruction du pont Palard. En religion, la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Nkolbeck des Mombor, accueille un hôte de marque ce dimanche, Monseigneur Jean Barga. L'archevêque métropolitain de Yaoundé y est en visite pastorale depuis ce matin. Nous l'entendrons dans ce journal sur l'objet de sa visite. La page magazine de ce 12 heures nous emmènera à la rencontre de géants, une tribu d'éléphants qui vit protégée dans la réserve spéciale de Dzanga-Sanga, située au sud-ouest de la République centrafricaine. La première partie du journal, c'est avec Gladys Assou, juste après ce jingle. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. And we begin the newscast with the religious activity. The Metropolitan Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, has called on Catholic Christians of the St. Mary Mother of God Parish, Kolmbek, Emombo, Yaoundé, to abide by the church laws and promote living together. He was speaking today during his maiden pastoral visit to the parish, where he defined the roadmap for the church's activity and to announce the results of last diocesan synod meeting. And it is also an opportunity for him to define the roadmap of the activities. Let's now listen to His Grace Jean Barga in an excerpt made available for us by our reporter Gerard Nanji. First, to help them to be integrated in the life of the diocese, as we did greet the diocesan synod, I want to introduce the results of this work. Also find with them what we will do together for the 5 years coming. And at the end, we will welcome the Advent as this particular period of our liturgy in the Catholic Church. And an inter-ministerial team led by the Minister of Territorial Administration, Paul Attangandi, alongside the Minister of Public Works, Emmanuel Nganoudjoumessi, is in the far north for an evaluation visit of some infrastructural projects. The first phase of the visit was at the Pala Bridge, where construction for a new bridge will start in January. Constantine Baum is trailing the delegation for us. The rains have gone, giving way for construction work on the Pala Bridge to start. The head of state made a promise to construct the bridge, and his eyes on the works are through these ministers who have come to evaluate the progress made so far. They have instructed that they should be working day and night. All the traffic is going by the Pombeh now. We have to reduce it in order to avoid creating another problem on the Pombeh. So when this is completed, the most main traffic will pass through this particular structure being constructed. Concerning also the Pont Pala, the head of state, His Excellency Paul Biya, has already made available the funds, 6 million. And you see the bridge is long, it's 60 linear meter, 60. It's not a small bridge. The President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, wants to be sure that his instructions are applied scrupulously, especially in a road of high demand. You know that this road is a very high demand. Mm-hmm. All the vehicles going to Kusericha, they pass through here. Mm-hmm. So if these people stay for too long without a bridge, it becomes a problem. So we want to assure the population that the minister has an eye on it, and he has a very competent team
and they are doing a wonderful job. Day one of the visit wraps up with this security meeting between Minister Thanganji and his Far North collaborators and security forces as the region prepares for upcoming regional election and end-of-year festivities. Close to 50 officials of the National Defense and Civil Service Corps have taken the commitment to pursue a career in peacekeeping operations. This was at the end of the fourth edition of the National Seminar on Recruitment into Peacekeeping Missions, organized by the Ministry of External Relations. Rita Makang reports that the participants were asked to inculcate the virtues of the training. How to apply for a post into peacekeeping missions, a technical and practical exercise which this civil and security staff reviewed during the 72-hour training course. They took us through several of the procedures involved in, first of all, applying for into a peacekeeping mission, and how to read between the lines, and how to go through the interview, the competence-based interview. So they were giving us some tips on how we could easily stand out, and they made us to understand that these positions are open to all Cameroonians. You can get it, but you must know exactly how to stand out. The over 50 trainees are now equipped with adequate requirements to be competitive in the international arena. Cameroonians have been joining, have been part of the mission for the past decades, but now we want to make it as a priority of our diplomatic policies. Our objectives are being attained. We cannot say all of them have been attained because it's an ongoing process. For example, we have a participant from the first seminar that has been recruited into a peacekeeping mission. I think that's already a major victory for us. This fourth session of national seminars on recruitment into peacekeeping missions is in line with President Biya's great diplomatic vision, that of having more Cameroonians enrolled in peacekeeping operations at the sub-regional, regional and international level. Members of government continue to file past the Committee on Finance and Budget of the National Assembly to defend their budgetary allocation for the year 2020-2021. The Ministry of Defense has a budget of 245.9 billion, that of Employment and Vocational Training 19.01 billion, while Youth Affairs and Civic Education has been apportioned 20.2 billion CFA francs. Esther Kima reports on their priority projects. The Ministry of Defense, with the fourth largest budget of 245.9 billion CFA francs, up from 226 in the current financial year, will be focusing on stepping up the territorial defense mechanism. Minister Joseph Beti has somewhat outlined 128 billion will be used to improve on the rate of compliance of staff of operational units with the armed forces and the provision of equipment. In the promotion of decent employment and the professionalization of education through vocational training, some 19 billion CFA francs has been made available. We will focus our attention on performing, improving, updating the vocational training to respond to the need of the production sector. What we have in hand is to put in place at least 9 vocational training in 9 region. Beyond accelerating the Special Youth Trainer Plan, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education will use up 20.2 billion in 2021 to push for youth rearmament. We'll put in place in 2021 the youth municipal councils and the youth regional councils to make youth participate more in the decentralization and local development. And we'll also valorize the biometric youth card as an important tool to promote youth and facilitate their access to basic needs. Promoting the culture of citizenship among the population is also a target. En religion, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Baga, est en visite pastorale à la paroisse Sainte-Marie, Mère de Dieu de Nkolbeck, des Mombo. En ce moment même, Monseigneur Jean Baga est allé porter un message de paix aux chrétiens de ce quartier de Yaoundé. La communauté catholique des Mombo est sortie en masse pour accueillir chaleureusement
cette hôte de Mac. Je vous propose à présent d'écouter Mgr Jean Barga qui revient sur l'objet de sa visite. Il est au micro de Joël Igor à Banda. Nous avons placé cette première visite comme une présentation de ma vision pastorale du diocèse à ces chrétiens qui vivent vers le nord de Yaoundé. Il va falloir leur présenter les travaux du synode diocésain et leur donner un programme pastoral qui est comme une feuille de route afin que les 5 prochaines années, on puisse atteindre certains objectifs. Ministres de l'administration territoriale et des travaux publics sont en visite de travail dans la région de l'extrême nord. L'objectif visé est de s'assurer du bon déroulement des travaux de reconstruction du pont Palard à Maroua et de mettre en œuvre des solutions provisoires qui facilitent le déplacement des biens et des personnes. Oswald Medung est l'envoyé spécial de la CRTV. L'urgence de la situation justifiait bien une nouvelle descente sur le terrain. L'effondrement du pont de Palard a négativement impacté la vie des populations de Maroua et de la région tout entière. Le chef de l'État, son Excellence le Président Paul Biya, nous a demandé de revenir ici, n'est-ce pas, rassurer les populations qu'il a pris des engagements et des options claires pour la construction d'un nouveau pont après l'effondrement de ce pont Palard. La solution provisoire envisagée devrait rétablir la circulation pour les gros porteurs sur cet axe névralgique et soulager le pont vert aujourd'hui surexploité. À l'efficacité, il faut ajouter l'urgence, d'où les nouvelles prescriptions du ministre des Travaux publics. Je viens de demander à l'équipe projet, c'est-à-dire l'entreprise, la mission de contrôle, l'ingénieur des travaux, de réduire les délais de réalisation de moitié. Et cette réduction de moitié suppose des travaux de nuit que j'ai autorisés. La fin imminente du calvaire a de quoi rassurer les populations. Je voudrais ici remercier le chef de l'État au nom des populations de l'extrême nord en général et des populations de Maroua en particulier de ce qu'il a une fois de plus prouvé aux yeux du monde qu'effectivement il aime la région de l'extrême nord. La solution de remplacement définitif du pont effondré est toute trouvée, un ouvrage mieux adapté. Dans la foulée de cette descente sur le terrain, le ministre de l'administration territoriale s'est entretenu avec ses collaborateurs de l'extrême nord à la faveur d'une réunion de sécurité élargie au FMO, avec au menu la santé de la plus belle des régions en cette fin d'année. Des nouvelles à présent de la session législative 2020. Le défilé des membres du gouvernement se poursuit devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. L'exercice est achevé tard hier nuit avec le passage de 3 chefs de département ministériels et les questeurs de l'Assemblée nationale. Faisons le point des passages avec Pulcheri Athé. 3 passages devant la Commission des finances et du budget un peu plus tard hier samedi. D'abord, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Bétia-Somo, sollicite un budget de 248 milliards 537 millions de francs CFA pour faire face aux différentes menaces sécuritaires avec dans le pipe la mise en place d'un système statistique pour rendre compte de la performance associée. Peu avant le ministère de la Défense, la Commission AYAI a accueilli les questeurs de l'Auguste qui sollicite un budget de 24 milliards 682 millions de francs CFA pour poursuivre la modernisation de l'administration parlementaire. L'essentiel des augmentations budgétaires seront consacrées à l'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie des députés à l'Assemblée nationale et dans leur circonscription. Pour ce qui est des budgets d'investissement, il sera essentiellement dédié à la construction de l'immeuble siège, qui est très attendu par les députés et par le peuple camerounais. La commission AYAI a également accueilli le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle avec un projet de budget de 18 milliards 712 millions de francs CFA. Je pense qu'au cours de l'année en cours, nous réussirons à faire en sorte que le coût de la formation soit ramené à un niveau compatible avec le pouvoir d'achat des familles. Avec un budget de 3 161 millions de francs CFA, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique ambitionne de consolider les acquis et de mettre en place de nouveaux programmes. L'une des innovations majeures en 2021 sera la mise en place des conseils municipaux et des conseils régionaux de jeunes.
à côté du Parlement jeunesse qui existe déjà, du Conseil national de la jeunesse ou encore du Conseil national des appelés du service civique. Le grand oral se poursuit ce dimanche avec l'audition d'une dizaine de membres du gouvernement. And onto something sad, 13 persons of the same family have died in Gidere, chief town of Mayo-Luti Division of the North Region. Sources say the fire that consumed houses emanated from burning insecticide. Vanessa Wood-Nansinamong with the complete story. Shock and confusion characterized the atmosphere at Sangere 3, a neighborhood of Gidere, chief town of Mayo-Luti Division, this Friday morning upon discovering the burnt bodies of 13 persons, among them men, women, and children from the family of late Alhaji Sali Ambo, after a fire broke out in the early hours of the morning. I was informed at about 2 a.m. that our family house was on fire. Upon arrival, there was no way to enter. We broke the wall and discovered the burnt bodies of 13 persons. It's like when an insecticide called Muntega that was burning in the living room against mosquitoes caused the fire. They are rushed to a room that has no opening. 11-year-old Abdu, one of the victims of the fire incident who survived the flames, came out with injuries and is now responding to medical care at the district hospital in Gidere. Le seul qui a survécu. The only survivor was rushed to the hospital in a medicalized manner. He was burned to the second stage and is being taken care of free of charge. He is currently out of danger. Et en observation. The 13 corpses have already been buried in conformity with the Muslim tradition, leaving family members and the population in pain and distress. Well, our condolences to the bereaved family. May their souls rest in peace. On to something else. The December 6th regional council elections will take place in 272 polling stations across the national territory. The list of the voting stations was published Friday by the Director General of Elections, Cameroon, Dr. Eric Esuse. Kilian Dadifon takes a look at the repartition of the polling stations less than 10 days to election day. It is in respect of Section 261 sub 2 of the Electoral Code, which states that polling stations shall be determined by the Director General of Elections, that Dr. Eric Esuse, the ELECAM competent authority, made public the list of polling stations for the December 6th Regional Council elections, the November 27 publication, less than 10 days to the polls, gives a total of 272 polling stations across the national territory. Given that the number of voters differ in each region, the polling stations are equally not the same. In keeping with Section 261 sub 1 of the Electoral Law, which says voting shall be conducted in the headquarters of each division, all the 272 polling stations are placed in the headquarters of the divisions. The distribution of the polling stations also obey Section 96, sub 3 and 4 of the Electoral Code, which specify that there shall be one polling station for a maximum of 500 electors, which polling stations shall be located in public premises or premises open to the public. And the city of Douala will soon have a high technology science laboratory that will help facilitate and improve scientific research. The foundation stone for the construction of the laboratory, Christian after Roger Bassadine, was laid Saturday in Douala by the city mayor. Cynthia Etim reports. The science laboratory to be built on a surface area of 1,000 meters square in one of the private schools in Douala will come to boost research and innovations in the field of science in Cameroon and the Central African sub-region. The foundation stone to that effect has been laid by the city mayor. This is part of the city council's move
to promote quality education and ensure that Douala becomes a modern city. The will is to transform Douala into a smart city, and we are eager to support all those who are promoting innovation, science and technology in our city. The High Technology Laboratory that has been christened after Dr. Roger Mbasandine will improve the teaching and learning of science-related programs. Research in Cameroon has greatly improved, and there is a need for laboratories that would permit young Cameroonians to be able to freely have the necessary materials that are needed in order to carry out research. Dr. Roger Mbasandine highlighted that the laboratory will contribute to the development of the country. He has promised to construct the road leading to the laboratory site in the Douala 5 Council so as to facilitate access and enable students learn in a conducive environment. Vous regardez le journal bilingue de 12 heures sur la CR TV. Élections régionales du 6 décembre prochain. On en sait un peu plus sur l'organisation du scrutin. De décision du Conseil électoral fixe d'une part les commissions régionales de supervision et d'autre part la répartition des bureaux de vote par circonscription électorale ainsi que les effectifs des collèges électoraux. Augustin Guizana. Ce sont au total 272 bureaux de vote, dont 176 dans la catégorie des collèges des représentants du commandement traditionnel et 96 pour la catégorie des délégués des départements. Ces bureaux sont logés dans les chefs-lieux des départements. La décision du Conseil électoral de l'ECAM définit également les effectifs des électeurs par bureau et par catégorie des collèges électoraux. Dans les détails, la région de l'Adamawa a au total 19 bureaux de vote où sont attendus plus de 1105 potentiels électeurs. Dans la région du centre, on note 5108 grands électeurs répartis dans 44 bureaux de vote. À l'extrême nord, les 3937 chefs traditionnels sont répartis dans 38 bureaux de vote, tandis que les 1433 conseillers municipaux sont répartis dans 15 bureaux de vote. Dans la région de l'Est, ils sont 1748 votants qui sont attendus dans 20 bureaux de vote pour le collège des chefs traditionnels et 11 pour les conseillers municipaux. Dans la région du littoral, ils sont 1842 inscrits dans les deux collèges des chefs traditionnels et des délégués de département. 2191 inscrits sont sur les listes de la région du Nord, répartis dans 17 bureaux de vote pour les chefs traditionnels et 9 pour 3123 grands électeurs répartis dans 35 bureaux de vote. Christine Onana est la nouvelle reine de beauté du département de la Lekki. Elle a décroché la couronne de Miss Lekki face à 8 autres concurrentes. Cette compétition organisée par l'association Jeune Étoile Lekki entend valoriser les atouts physiques et intellectuels de la femme. Michel Renaud Oranja. La compétition Miss Lekki, organisée par l'association Jeune Étoile, avait pour objectif de promouvoir la culture de ses départements. Autorités administratives et nombreuses autres personnalités réunies à la salle multimédia d'Obala ont pu découvrir le potentiel des candidates sur le plan intellectuel et de la connaissance de leur culture. À travers la cérémonie, je demande à nos autorités et à nos élites de donner la chance à la jeune fille de la Lekki de s'exprimer. Au terme de cette rude épreuve, Christine Onana, 18 ans, élève en classe de terminale, a pu remporter la couronne. Je suis très très contente, personnellement et en particulier de moi et aussi des autres candidats. Tout ce que je promets, c'est d'emmener la jeune fille de la Lekki très haut, de brandir les couleurs de son pays. La Miss Lekki a pour projet de promouvoir l'éducation de la jeune fille. Onto our feature page, don't know if you have seen an elephant in its natural habitat before, but if you haven't today, you get the chance. Our reporter Moeti Akonjong visited the Djangabai clearing, one of the protected areas in Central African Republic. The soil is rich in nutrients, and there you can find 100 elephants in the same place, something that's rare to find. Let's take a look. It is not an easy path to get to the natural habitat of the gigantic mammals. First, you have to wade through a stream.
It is physically exerting but visually rewarding as butterflies on the banks of the stream offer you a yellow carpet reception. And then this amazing sight. For the first-time visitor, this could be a frightening yet fascinating sight. The sights and sounds of over 36 elephants roaming freely in the wild. Located in the Zanga-Sanga protected areas in the Central African Republic, this is the Zangabai, a clearing surprisingly found in a dense forest. A forest clearing is an open space that occurs in the deep forest and that permits you to watch animals. Here, the particularity of this part is that it's really, really very easy to see gorilla, of course, but elephant, buffalo, bongo, it's a special place. It is one of the few places in the world where visitors can observe forest elephants behaving naturally. Forest elephants cannot be habituated because they have a natural tendency of being aggressive if you get too close to them. But in Zanga-Sanga, we are really, really lucky to have these forest clearings that are really, like, really amazing areas where you can go there and see the elephants that are coming to feed from the soil. Known as salins or bai in the local language, the soil here is rich in nutrients. Yet these huge mammals face a gigantic problem. Poachers have a voracious appetite for their ivory and hunt them down mercilessly, even in protected areas such as these. Heads of state of the Congo Basin in 1999 agreed to carry out a concerted management of transboundary protected areas, and subsequently in December 2000, the Sanga Trinational was created to keep species such as these from going extinct. National parks and protected areas have thus become a sanctuary and contributed to the stabilization of the population of the elephants, which themselves play an important role in the preservation of biodiversity. En sport football, l'équipe de la Caisse nationale de prévoyance sociale remporte la 15e édition du tournoi Comfoot. Elle est venue au bout de l'équipe de Comfoot au tir au but. 15 ans déjà que l'association qui regroupe tous les acteurs de la communication organise ce tournoi qui prône le fair play et le vivre ensemble. Les temps forts de cette finale racontés par Evariste Yenga. La famille de la communication autour du ballon rond. C'est le football qui draine ici ses professionnels de la plume et du micro, journalistes, éditeurs, chargés de la communication, attachés de presse et autres. C'est la 15e fois du genre pour le tournoi annuel Comfoot. Mais l'empreinte apposée en 2020 se distingue. C'est d'abord la satisfaction d'avoir entrepris d'organiser ce tournoi et qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Et je crois que tout le monde qui part d'ici est satisfait au même titre que nous. C'est un invité spécial qui s'est adjugé le trophée du 15e anniversaire, la CNPS, au tir au but qu'il a des partages de Comfoot en finale. L'organisation, comme vous le voyez, a été formidable, très appréciable. Et nous sommes très heureux d'être parmi la famille de la communication aujourd'hui pour célébrer ce 15e anniversaire. Pour le match à proprement dit, vous avez vu qu'il a été très disputé. Nous rentrons un peu fatigués, mais avec la victoire, Dieu merci. Le tournoi, ce n'était pas une foire exposition des talents de football, mais plusieurs ont donné à voir par le sifflet, par le coup de pied pour affirmer l'originalité du rendez-vous au stade Man et Sola, près de Fou. Stop FM pour le journal de midi. Thanks for following us. Stay tuned to more interesting programs on the CRTV network. Question. Do have a question. Thank you. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info.